Bienvenue dans l'auberge de Holyesh. Bah, c'est pas spécialement une bonne nouvelle avec mon deck parce que bah, j'ai full serviteurs qui se font défoncer par du choc de flammes, du blizzard, donc ça peut être compliqué. Il faut que j'arrive à prendre le board, donc j'essaie d'aller trouver éventuellement Flamta, Taxonora, ce qui pourrait aider. T'en es où dans ta moyenne? 8 points 25, mais là on va se faire ruiner par cette arène. Ruiner. Putain, j'arrive pas à le dire à la française. Attendez, je vais le refaire. On va se faire ruiner. J'ai bien dit là ou pas? Ruiner ou ruiner? Ruiner. Putain, c'est chaud. Allez, je give up là. Nickel, sérieux? 18. Attendez, je vais le faire. C'est pas 8, c'est 8. Il faut que j'imagine que j'ai quelque chose dans le cul et j'arrive à le dire plus ou moins correctement. 8. Attention, hein, attention, que personne ne le prenne mal. Hein. Sans vouloir vexer ou choquer personne. 8. Ça marche. Psychologiquement, ça marche. J'arrive à m'imager le truc. Bon, ça me fait mal, hein, mais... Prison, ok, prison. Ok. On a le malfra, c'est cool. Et surtout, il n'y a pas de board en face pour le contrer pour le moment. Donc toujours ça, c'est... Notre but avec ce deck, c'est espérer que le malfra, il arrive à tenir en début de partie. Dans quel cas, il peut carry. Ce qui n'est pas vraiment beaucoup arrivé pour le moment. À chaque fois, on s'est fait contest très vite. Il y a une game où il a fait le taf. Bon, il se fait clean, mais il force quand même pièce enragée, donc c'est correct. Hein. Il a forcé la pièce plus AT4, donc c'est plutôt une nouvelle assez intéressante. On va tenter ça pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Il y en a du bon follow, hein. On a du très bon follow, donc bonne nouvelle. Répète, oui, Zwitre. Oui, Zwitre. Après, c'est vrai que quand je le dis comme ça, tu dis plus le wit, parce que... Oui, Zwitre. Parce que t'es obligé d'enchaîner sur le Zwitre. Tu dis pas Wit, Zwitre. Là, tu dis forcément oui, Zwitre. Mais du coup, c'est oui. Oh! Oh! Sad Marie! Bon, après, il a boosté son deck, mais on s'en fout, on pioche. C'est OP. C'est OP. Ok, go là-dessus. Y'a pas de liaison. Ah si, Wizwitre. Laisse-moi faire. Vous avez pas à apprendre à parler français, hein. Un peu exagéré, hein. Avec vos 70 et 90 là. Je sais pas quel plus bidon entre nous tous, hein. Remettez-vous regardez la poudre dans votre œil. Qui connaît pas les dictons. Par contre, ping ça marche pas, c'est les attaques des serviteurs, donc j'aimerais bien absolument le cover pour aller face. Du coup, ça pourrait être attaque sournoise, S7 et heavy. Je pense que c'est le plan. Non, mais de toute façon, ça fait tout pile les dégâts en fait, ça change rien. Dans tous les cas, c'est bien. On tape toujours pas, je pense. On va jouer ça et ça au prochain tour, probablement. Faudra faire gaffe au choc. On pourrait se prendre météore ici, mais de toute façon, je peux pas jouer autour des AO, hein, pas trop. Les chiffres sont invariables, le liège, du coup, pas de S, c'est pas de liaison. Non, mais c'est l'accent, ça, bro. C'est la façon de parler. Tout le monde parle comme ça en Belgique. Enfin, pas en Belgique, mais dans ma région, quoi. Si tu veux le reprocher, il faut le dire aux autres, hein. Moi je suis victime du système. C'est pas moi qui ai voulu parler comme ça, hein. Moi je suis victime de la région. Euh,
J'aime bien trade abomination quand même. Comme ça on est quand même vachement moins sensible à une grosse AOE. Alors ça va lâcher des gros victimes du coup j'imagine. J'ai ça qui devient intéressant, donc on pourra envisager de taper. Mais si ma taunt en même temps je suis trop bien, donc Osef. Osef. Yes. Tars toujours premier au classement fictif. Je sais pas s'il est premier, mais en tout cas il est très très bien, donc bah... Puis c'est un peu d'important, c'est le au classement fictif. Hein. Ce qui est important, bah, c'est qu'il gagne les games qui restent, tout simplement. Ok, j'ai pas tapé face, mais ça me met tellement bien qu'il fasse ça que je m'en fous. On a 12, on va faire Dak, Toxy, et peut-être je vais Franklin pour couvrir Sozaro. Le Malfra est bien, mais Sozaro ça devient chiant, non? Bof, encore que, hein, même s'il a un choc ou autre, ça tient très bien, donc non, ça me va. Poison, oh non, mais on va Dag, hein. On va Dag Poison, on va quand même reprendre une charge. C'est pour ça que j'ai pas tapé, c'est parce que si j'ai ce plan de jeu là, je suis quand même trop trop bien, donc je m'en foutais un peu. S'il fait les chocs, il fait quand même rien d'autre, donc ça me va. Ça doit réfléchir, mais oui. Par contre, il aurait dû ping là 100% en fait, hein. C'est naze ce qu'il a fait. Il aurait dû ping là 100%, enfin, j'étais en mode, mais what? Il a fait un peu nappe là-dessus, là, monsieur. Ouais, c'est bizarre ce qu'il a fait. Après, sur Météore... Ouais, non, c'est bien. C'est très bizarre ce qu'il a fait. C'est très bizarre ce qu'il a fait. T'avais dit Franklin a pas mal frappé. Oui, mais au final, le mal frappé est mieux. Parce que je suis pas sensible aux AOE là en fait. Là, les AOE ne me gênent pas. Donc, mal frappé est bien. Parce qu'un choc ne tue que le mal frappé. Donc bah c'est juste mieux je pense. Alors que si après il arrive à faire pseudo clean une Nova ou autre pour tempo, bah là je mettrai Franklin le tour d'après pour avoir du backup. Ah ouais, il faut que je me libère, j'avoue que c'est déconné là. Il a dit qu'on parlait avec bah dans le cul. J'ai pas dit ça, ça c'est faux. J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit que si moi je voulais le faire, la meilleure strat pour dire le 8, c'était de m'imaginer que j'avais un balai dans le cul. J'ai pas dit que les Français avaient un balai dans le cul. J'ai dit que moi c'était ma méthode pour arriver à prononcer le 8 comme il faut. Enfin, comme il faut. Je préfère le prononcer 8. Mais pour le prononcer 8, il faut que j'imagine avoir quelque chose dans les fesses. Ce qui ne me plaît guère, mais c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Vous n'avez pas à m'emporter, vous n'avez pas à me juger pour ça. Est-ce qu'on peut garder arme toxique en mode départ? Retourne en prison maintenant, stop. Ah, c'est fort quand même. Allez, je vais garder. La bouche en cul de poule. En cul de poule. Ouais, mais je suis pas ça, moi. En tout cas, je préfère pas. Pour imiter l'accent belge, il faut qu'on imagine avoir une patate dans la bouche. Non, ça c'est pour l'anglais, ça. C'est pour l'anglais, bordel. Comme ça, si je peux trade avec l'arme T3 et T4, en termes de tempo, c'est value. Voilà, direct. Je prends direct le double trade et du coup, je fais du 2 pour 1, en gros. Pour essayer de prendre un peu l'avantage dès le début de partie. Hein. Le problème, c'est s'il bloque la deuxième charge en posant des petits serviteurs, mais à ce moment-là, j'en poserai aussi. Ah, Yannis s'est fait sauter. Ok, là, on va retrade et on va poser plutôt ça. Pour avoir une sac sur T4. Ça me paraît acceptable. Sachant que du coup il peut pas trade au moins, contrairement à ça qui peut se faire trade. Alors je vois pas le taunt Rocknisher, mais c'est peut-être pas obligatoire. Hein.
Après, je pense qu'il est ok de se faire trade là-dessus, mais moi ça me va aussi de faire le trade. Donc on est tous les deux contents. Olia, je dis que tu t'es fait carjacker. Je ne me suis pas fait carjacker. Pourquoi tu dis ça? S'il a pas de clean là-dessus, c'est fort hein, de faire affreux et escargot. Non mais je sais que c'est pour Diconnect. On m'a volé l'auto. Et les gants, bah dans la boîte à gants hein. Non c'est les lunettes. Non je sais plus. Dag me semble un peu faible ici. La moyenne elle est pas folle là, elle est à 8.25. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oh mais il casse les couilles là. Oh, ça te marie. Extrêmement relou le jeune homme. J'ai envie de faire ça et ça pour peut-être setup une bonne abomination avec le board que j'aurai. Je pense que c'est certainement le meilleur plan. Ce serait T7, T8. Parce que tout ça, tous ces petits serviteurs vont ramener du clean. Après, il y a un risque évidemment qu'il en éventail, mais les autres plays m'ont l'air un peu rassés. Là, juste poser un T5. Et il vient de faire son brûleur, donc on va le tenter. Ok, le problème c'est que la 3-6 va pas prendre de dégâts, enfin pas suffisamment, mais bon. Après, c'est à dire qu'il a pas de clean sur Abomination là. Ça va être double trade et Abomination, et elle sera à 2. Donc ça va, le plan de jeu est tout correct. Merci Bowser. Merci à toi, merci pour tes 5 mois. Ok, Dark champion du monde. Ouais, franchement, s'il va au champion du monde, ce serait insane, mais... Il reste combien là? C'était round 5, c'est ça? Et c'est 8? J'ai regardé le cast en français. T'as les gens, ça parlait mal dans le chat. Hein. Il y avait une de ces guerres dans le chat. Il y avait des gens qui critiquaient. Comment est-ce qu'on dit quand tu le merdes là? Enfin soit, il y a des gens qui critiquaient du coup les casters de manière excessive, les gens sont très très taquets. Et puis du coup, il y avait d'autres qui voulaient défendre les casters, mais au lieu de les défendre, ils nous crachaient dessus sur Arma. Du coup bah, nous on avait rien à voir là-dedans, on se faisait cracher dessus les autres aussi. Voilà, il a triquité. On a pris cher aussi. Je pense que je vais faire le vert. Et je pourrais taper la 5-7 pour qu'elle meure. Je pense que c'est pas mal, même s'il fait le trade derrière. Mais dans l'idée, autant cover alors. Hein. Autant cover et clean ça. Et à ce moment-là, je fais ça et SI7. Et je le force à taper. Mais du coup, je pose pas le Rock Nisher, mais je peux pas l'activer en fait. Je peux pas SI7 plus Rock Nisher et avoir le taunt. Juste placement à placer ça et le SI7 au milieu. Oui. Sacré spectacle aujourd'hui. C'est pas mal. Ce gars est foutu. Non, le seul truc qui était dommage, c'est que ils connaissaient vraiment pas les listes pour le coup quand ils castaient. Mais ils auraient dû les prendre devant eux en fait, c'est dommage. Ah, c'est fort ce qu'il va me faire là. On se rend compte que c'est assez broken ce qu'il va te faire. Genre ça, c'est fumé. Et ça, c'était fumé, ça. C'est pas cool. Je dois rentrer dedans et poser le verre. Hein. Après, c'est pas si mal dans l'idée, mais s'il récupère les autres, c'est chiant. Autrement, je fais ça et ça, mais ça me paraît moins bien que le verre, non? Bof. Là, je vais avoir 4, 6, 8. C'est même un peu mieux en termes de dégâts. C'est peut-être rien mieux, parce que ça me permet de faire verre et dague après. Peut-être rien meilleur. Probablement rien meilleur. Rien que moi
Le cast était bof bof. Ben, il y a eu quelques soucis techniques, mais ça, tu peux pas grand chose non plus. Hein. Ça, tu peux pas cracher d'office. Hein. C'est moi ou à chaque fois que tu prends voleur, tu fais des arènes vraiment bof. Ah. J'ai pas eu des grosses courses ce mois-ci en arène avec le voleur, mais en général, le voleur, ça m'a aussi quand même pas trop mal. J'ai fait combien en voleur ce mois-ci pour moi? J'ai fait 5, 8 et 6. C'est pas incroyable, mais j'ai pas eu des drafts incroyables non plus, donc forcément, ça joue. Si tu me files des meilleurs drafts, t'inquiète que voleur, ça fait le taf souvent. Donc, je m'inquiète pas, hein. Je sais que d'habitude, voleur, ça m'a aussi pas trop mal. Là, c'est pas ouf, mais la prochaine fois, ça fera le travail. Est-ce qu'on a envie de trade le spell power, par exemple? En voleur, c'est rarement utile de trade le spell power. Hein. Après, je pourrais trade, ne serait-ce que pour Fongi et tout, mais on veut setup là. Enfin, on setup pas dans tous les cas, mais bon. C'est vrai qu'on setup pas. Non, jamais je tue à 2-3. Celle-là a le spell power, donc s'il faut tuer quelque chose, c'est plutôt ça. Après, s'il rentre deux fois face, j'ai besoin d'avoir des dégâts supplémentaires. Hein. 14, 18, 19, ok, go face. Mais c'était clairement cohérent d'envisager de tuer ça. Ouais, par exemple, sur une Ivia Sac, par exemple, tout à fait. Ça, c'est très chiant. Il a des bons drôles, Coca, là. Il a plus de cartes, mais il y a du follow. Oh, elle va rien. Ça va lui servir le pétale. Par contre, c'est très chiant là que je dois rentrer ça là-dedans. Ah ouais, il le fait pour anticiper le fait que je vais trade. Ok. Ok. Ah. Ah. On va poser l'anti à eux. Hein. On va poser l'anti à eux. Et vie, rentrer cette face et taper dans la AA. Et dans l'idée, par contre ça c'est pas létal, donc il faudrait que je joue là, là, parce que si je fais 7, en même temps il risque d'avoir du clean dessus. Ouais, je peux y vivre sur l'œuf, mais c'est rassé les gars, les vies sur l'œuf, hein. Vous foutez pas de ma gueule. L'œuf il va gentiment attendre le loup alpha, lol. Non, ça c'est sûr. Ça aussi. Les 7 à la tête. Le fait est que si je tape, ça c'est top avec l'arme. Donc je pense que je dois peut-être quand même faire effectivement le robot dans la AA et face avec la dague. De toute façon, c'est pas comme si j'en avais besoin pour des combos dans ce qu'il y a dans mon deck. Hein. Il est vraiment useless là. Enfin, j'ai vraiment le seum. Mais je voulais pas le prendre, hein, mais c'est vraiment la moindre des trois. En plus, on l'a eu en début de draft, donc on pouvait espérer avoir des boosts, mais on a rien eu. On a eu un old alpha. Il n'y a pas eu de sang-froid, il n'y a pas eu de bronjimancia, d'argueuse, de moussu à la limite même. Hein. Genre, il y avait des trucs très sympathiques. Il y avait des trucs sympas. On les a pas eu. On ne les a pas eu. On ne les a pas eu. Soit. C'est la victoire. Victoire pour le Gondor. Oui, oui, tu peux daze Zavas sans problème, Rémi. HS Rémi, oui, clairement, clairement. Clairement, clairement. Là, les cartes qui vont partir en avril et que vous avez besoin de daze parce que vous n'avez pas de poussière, vous pouvez les décraft. Il y a très peu de chances, voire pour moi, c'est impossible qu'il y ait un patch d'ici là. Donc, leur coût sera exactement identique. Et vu qu'elles sautent en avril, bah faites-vous plaisir. Hein. Si vous avez vraiment besoin de poussière pour jouer l'un ou l'autre deck. Décrafté. Voilà, si c'était l'objectif avec ce deck minimum. Enfin minimum, c'est l'objectif minimum avec tous les decks. Dans tous les cas, à partir du moment où tu essaies de faire du top arène, tu essaies de viser 6 si possible. C'est mon objectif, le deck est pas fou. J'espérais faire au moins 6. Après si on peut gratter moi je veux bien gratter hein, mais bon attention, je pourrais pas gratter aussi bien que Vince. C'est sûr que Vince, il prend l'avion, il revient avec une GoPro alors que la GoPro elle est pas à lui.
Ça, c'est du gratteur high level. Je n'irai pas jusque là. Mais voilà, dans un autre style, plus dans la finesse, dans le gameplay, je peux aussi faire des choses. Ouh. Ouh. Ouh, Sainte-Marie. Sainte-Marie, Sainte-Marie. Que vois-je, Sainte-Marie? Est-ce qu'on tente le DAC T2, Malfrat T3, Malfrat T4, Rockneecher T5? C'est ballsy. C'est très ballsy. C'est parti. Oh, un verre. Je vais te passer les jambes, GG à moi, GG à toi. GG Spiron. Ça peut grid quand même, hein, mais faut grid. On sait que si on doit gagner nos games, c'est souvent par ça. Notamment la game d'avant, j'ai forcé comme ma pièce enragée. Le problème, c'est que le malfrat va tomber contre un T3 dans l'idée. Donc ça, c'est toujours un petit peu dommage, mais bon. On pourra envisager de pièce side enchaîner là-dessus. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent dans cette optique-là. Je préfère Dag, mais j'envisage clairement la lame. Le malfrat maintenant. L'avantage, c'est que sur n'importe quel T3, je le clean avec la Dag. J'enchaîne sur T4, T5. Effectivement, l'argument que j'ai plat de T3 en masse, c'est pas plus mal d'un jeu comme ça, clairement. S'il me pose une 3-3 ou autre, je suis trop bien. Une 4-3, tous 4-3 points de vie, je snowball. Hein. Ok. Waouh. Je vais poser ça du coup. Et au prochain tour, on va s'amuser avec les dagues. With some weapons. You know? Some weapons. Non, malheureusement, j'ai pas d'armes en cours équipées, mais c'est value de setup. GG wellplay. Non, parce que là, s'il a un T4, oh, ça se met tellement bien. Oh là 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 là, shot. Parce que, honnêtement, souvent, je dois souvent faire un coup d'arme avec ça, peut-être, plus un malfrat suicide, mais là, c'est excellent, putain. Waouh. Oh, on a tellement chaté là-dessus. Bon, il peut avoir une hystérie, hein, ça c'est le risque. Il sera pas unlucky. Je rigolais, hein. J'ai clairement un karma négatif. J'ai clairement un karma négatif. Ça c'est validé, hein. J'ai plus aucun doute. Mon karma est... Ah mon dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je pense qu'honnêtement, la réincarnation, j'y crois de plus en plus. Je crois au karma et à la réincarnation. Et je pense que j'ai eu une vie vraiment abusée, tu vois. Qui fait que maintenant, je prends tout. Tu cool aussi. Bah ouais, j'envisage. Genre, t'es ça, je sais que c'est hystérie, possiblement. Enfin, genre, j'ai pas besoin de cool. C'est... Mister Pico, merci à toi. Go prison, mais je vais pas aller en prison, j'ai rien fait là. J'ai joué ça, j'ai pas joué le fléau, je pense. Parce que j'ai pas envie de taper là. Je suis pas sûr de vouloir taper pour faire pop les petits trucs, hein. Moi je pense que je vais jouer ça T7, ça T8, ça T6, ça T7, ça T8. Et ça va juste prendre un trade sans faire proc. Je vais pas faire proc la brutalité, j'ai pas envie de taper avec l'arme. J'ai envie de garder pour le prochain tour. Et placement n'a pas de réelle importance, on loue alpha éventuellement, on fait comme ça. Je trade là, et ça va dans la tête tous les jours.
T7, T8. Non, le T5 trade pas ici. Faut pas que je fasse trop durer la game. Et contre prêt, c'est pas la classe qui a le plus de boss, donc moins important de trade, je pense. Je l'ai pas cool, hein. Vous êtes témoin, je l'ai pas cool. Qu'est-ce qu'il fait? Il est conscient qu'il pouvait utiliser ça pour taper dans l'autre et avoir des... Oh! Je pense pas qu'il en est conscient, hein. Genre, il a fait le pire play. What? C'est quoi ce level? Putain! Non mais là j'ai honte de jouer contre ça. J'ai honte, j'ai vraiment honte. On pourrait jouer ça ici, mais l'autre play mieux, je pense. J'ai honte de jouer contre ça. Ça me fait mal au cœur, vous savez. Ah ouais, mais bon. Là c'est toi et ta honte, hein. Je te laisse solo là. Basile c'est bien, mais... On va voir full T3, cherche un T4 là, voir Flamta. Mnemosyne. Oh, je fais du mieux que je peux. Oh, oh, les malfrats. Où les mains? Le braquage arrive. Où les mains? Où les cœurs? On a un trade. Bon, c'est-à-dire que je pourrais pas retaper autour. Oh non, c'est quoi? Non, c'est Grid d'attendre autour. Oh putain, il arrive après lui. Oh, ça aurait été incroyable s'il arrivait. Et là, c'est une sortie de ladder, à la limite. Non, mais je dois taper, honnêtement. On peut attendre autour, mais il y aura peut-être autre chose à trade. Mais au pire, c'est pas grave, on bosse double malfrat. Non, mais là, c'est tellement appelé. C'est tellement téléphoné. Non, non, il faut trade maintenant. Il faut trade maintenant. Ne faisons pas de bêtises. Pas de Gridance. Et puis en plus, il lui donne l'info, donc je suis pas sûr que c'est le mieux. C'était tentant de pas taper, mais... Bon, en vrai, il pose pas de T2, mais ça, on pouvait pas le savoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser, mais je vais pas taper de suite. On repasse. Yes. C'est tentant de grid et de se dire qu'on allait taper au prochain tour, mais s'il pose un autre T2, c'est-à-dire que j'avais peut-être très l'autre T2, et puis qu'avec ça, il va peut-être avoir un clean avec le spell à 3 là, qui fait 2 ou d'autres conneries. Mais ça pouvait clairement s'envisager, hein. Je l'ai envisagé. Je ne l'ai pas fait, certes, mais je l'ai envisagé. Mais j'aurais pu le faire. Je ne nie pas les faits. Ah, je sens que j'étais un peu poussi. Je sens que je vous ai déçu. Vous pouvez me le dire. Est-ce que j'ai déçu des gens? Dites non, s'il vous plaît. On va bientôt bien côté 3 pour prochain tour et redag, hein. Statistiquement, c'est fort probable. Je vais Flamta aussi, hein. Attaque sonnoise et face. Pas trade, face. Placement, autant mettre ça ici. Faux grid. Ouais, mais je sais, ouais, vous avez raison. J'ai encore tort, putain. Pardonnez-moi. Veuillez me pardonner. Est-ce qu'un jour vous me pardonnerez? Remarquez, vous avez bien pardonné Vince pour ses résultats de 2018. Donc, je pense qu'il y a moyen quand même. Parce qu'il vous l'a bien mise, hein. Il vous a quand même troll avec son Vince 2018. Tout le monde y a cru, même moi j'ai cru. Il nous a tous menés en bateau. On était là, Vince 2018. Allez. Et puis, Nada, il a gagné l'Arena, je sais pas quoi. Il a gagné un tournoi où le meilleur joueur après lui était rang 3. C'était sa meilleure performance. Il n'y avait pas de rang légende. Et il est revenu tout fier en mode j'ai gagné un tournoi. Ben oui, mais bon. C'était quoi ce tournoi là? Qu'est-ce que c'est? C'était pas un tournoi. C'était une blague, c'était quoi? C'est certainement un tournoi caritatif ou un truc dans le genre. Ça n'avait aucun rapport. Aucun rapport. Alors en vrai, je dague et je face et je pose ça, je m'en fous là. Non mais on face là, on met 12. On met 12. On met 12 les gars. On trade pas là. Oui je sais ça met à plus 2 mais tant pis. Il faut dag là. À moi de rendre justice. On y va. Come on. Non, repars, non, commande pas du tout. Non, c'était une blague. C'est pour rigoler, gamin. Non, quand je disais commande, je pensais à autre chose. Non, pas du tout. Non, pas commande. Non, du tout. Il y a eu erreur. Je me suis trompé de message. Non, c'était pas du tout ce qui était prévu. Non, je me suis trompé. Je m'excuse. Hors contexte. Ah non, mais... On est tour 5 et une 6-9 sur le board. Bon, ok, moi j'ai 2 5-5, mais peu importe.
Ouais, bon. Un petit peu déçu. Bon après on a setup Lévi, un peu plus drôle, ça reste très très bien, on va être honnête, on est quand même dans un bon scénario. Oliash, tu loues ton appart pour quel type de prestation? Oliash dit du bien, Vince dit du bien d'Oliash, c'est génial ça, on va regarder ça. Ça m'arrive de louer effectivement pour des films... Genre même Oliash qui fait pas de tournoi, quand tu regardes ses streams... Tu sens que le mec il est impliqué dans ce qu'il fait, qu'il est passionné. Oh, c'est beau ce qu'il dit. Attendez, on va regarder, on va écouter. Oh, c'est beau ce qu'il disait, il disait des trucs gentils et tout. Ah. Et il dit du bien de moi, Vince, en fait. Pourquoi je parle mal de Vince? J'ai honte du coup. Je me sens gêné là, je parlais mal de Vince alors que. Bah, il me soutient. Je suis une ordure à fumier. Comment est-ce que j'ose? Comment est-ce que j'ai pu être comme ça? Aussi égoïste. On entend votre cœur battre. Mais tu le déçois. Allez dans la tête. On setup pour Lévi. J'ai honte, on n'y croit pas. Prison, ok, ok, ok. Retour prison. Non, je suis une mauvaise personne. Je suis malhonnête, c'est pas bien ce que je fais. Allez, Lévi, 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 on l'appelle ensemble. L'éviscération. Allez. Allez, petite éviscération. Viens à moi. Viens à moi, je viendrai à toi. Tu n'es pas l'éviscération, toi. Que nenni. Oh, c'est terrible ce qu'il me fait, c'est terrible. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Le problème c'est que s'ils font là-dessus et que j'ai pas les... Je perds de la place quoi. Du coup je fais hit là, juste A. Est-ce que A hit a du sens? Après si je rentre... Ouais non mais c'est pas value. Parce qu'autrement il fait le trade là parce que... Attendez, réfléchissons. S'il a pas d'autre taunt et qu'il fait rien, qu'il trade juste A derrière, moi j'ai le trade là mais moi il m'en faudra... Il m'en faudrait 4 donc, dans tous les cas, donc ça change pas grand chose. Pourquoi pas abomination? Parce que c'est moins bien. C'est moins bien. Le vert, il est tuable, là. Globalement, enfin, en tout cas, il est compliqué. Non, je pense que je laisse comme ça. Je pense que c'est honnête. Il a fait deux fans de l'arène en face, oui. Oui, il a forcément un autre tone dans tous les cas avec le but de pierre. Mais soit. Il pourra peut-être pas jouer, c'est peut-être le mastodonte. Ah! Ah! C'est pas très friendly, ça. Je dirais même plus, c'est pas très Charlie. Allez où les viscérates là? Il y a la fontia E, mais je ne peux pas jouer. La fontia E est terrible. Je vais poser ça. Triple trade là et trade là. Non mais j'en ai marre, je vais dire, voilà, je toutes mes arènes. C'est vraiment incroyable, moi je l'ai jamais, mais toutes mes arènes j'en vois. Non mais je peux pas jouer la fontia E, il faut que je clean. Pour clean, il faut faire ça. Il faut faire ça, trade, 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 trade. Donc pas de fontia E. Je ne peux pas, pas possible. Pas possible. Physiquement pas possible. Si il me sort un seigneur du vide, ça va être infâme. Il faut que j'arrête de faire des calls comme ça par contre. Je suis extrêmement négatif dans ma façon de penser. Soyons positifs. À moi de rendre justice. Allez. Bon je peux sortir là peut-être quand même parce que bon. Pourquoi pas Basile? Parce que je veux clean le board en fait. Je veux clean le board. Je veux clean le board. J'ai pas envie de laisser un roi liche, ni de laisser l'autre. Qu'en fais-tu, ladder, ce soir? Je sais pas encore, Bowser. Je n'ai pas un planning prévu à cet effet. Ça fait un taunt. Si l'ombre flamme ça ne marche pas, hein. Si tente ombre flamme dessus ça ne marche pas, je tiens à te le dire. Parce que je vois déjà l'ombre flamme partir mais sachez que ça ne marche pas. L'ombre flamme inflige les dégâts du serviteur. Ok c'est pas ça du tout. Je le dis parce qu'on a déjà posé la question. Hein. Je me permets.
Un peu de wild. On fera peut-être un peu de wild, je sais pas encore, on verra. Probablement on fait pas mal de l'arène, parce qu'il faut surtout faire les 30 arènes pour le mois. Là on est 50 en wild. Eh, l'air de rien, hein. On était genoux à terre à 3-2 là, nous sommes à 8-2. Fier. Rassuré, confiant. Stable, solide sur les appuis. Je vois déjà le 12 au loin. Vraiment c'est Malfra qui carry, hein. On l'a dit de toute façon, la carte la plus forte de mon deck c'est Malfra. Ça a l'air de rien mais c'est la carte qui peut me sauver. Et pour le moment, elle fait des merveilles. Elle fait des merveilles. Il y a le vert aussi qui est quasiment chaque fois la théorie. Hein. Pour le moment, les MVP, c'est vraiment ces cartes-là. Malfra et le vert qui vient souvent gêner l'adversaire. C'est pas des mauvaises cartes, mais c'est pas des cartes qu'on garde. Même Rodeur, avec la pièce, je vais quand même le virer. J'ai beaucoup de T3 et des très bons T3. Pas de musique ce soir, non. Non, je suis pas d'humeur. Le Malfra, il est là. Oh, les cœurs. Incroyable. Encore. Faut aller au petit Flamta, là. Petit Flamta. Petit Flamta. Non. Ok. Non, non, mais il triche là, putain, c'est pas marrant là. Là, l'ASMR il est fini là, il m'a gâché mon ASMR. Salopard. Je vais te la mettre. Pardon, excusez-moi. Non, mais il casse les couilles là. Je vais poser un escargot, il va forcément avoir une championne, ça va être terrible. Non, c'est très décevant. Non, c'est... excessivement agaçant cette histoire. Bon, on va le tenter, hein, mais. Tu veux pas faire la SMR sans Bobs? J'ai remarqué, ça marche moins bien. Okay. Pas clean. Pas de bêtises. Pas de nécro. Pas de champion. Pas de consacre. Ah, voilà, ça c'est très bien ça. C'est excellent ça. Sauf si tu récupères une bête, mais tu vas pas récupérer une. Pourquoi tu récupérerais une bête? Ça n'aurait aucun sens. Ce serait insensé. Je dirais même insensible. Tu l'aimes, mais pourtant tu la fouilles. Bon, ça c'est autre chose. Tout se mélange dans ma tête. Tout se mélange. Tout se mélange. On pourrait faire fléau, taper. Et prochain tour, je pourrais faire Malfra, pièce et lame de la perdition. Merde. Compliqué le stream. On pense à un métier facile mais. Ok, je reprends Maître Gibbs. Non mais c'est pas évident là. Je sens que c'est. C'est compliqué. À moi de rendre justice. Je sens qu'on est dans une période difficile. Tu as bu beaucoup? Non, jamais d'alcool moi. Jamais d'alcool. Que de l'eau. Que de l'eau et parfois un petit peu de Red Bull pour aromatiser. Encore il a mal parlé de moi, j'en peux plus, je vais déprimer. Non, non, Vince, parce que j'ai dit, je suis vraiment une mauvaise personne parce que Vince, en vrai, il parle très bien de moi et je sens que je vais trop loin. Donc voilà, je te présente devant témoin, devant, je prends 2600 personnes pour témoin. Vince, m'accordes-tu la matasse? Non, je rigole, veux-tu me pardonner? Non, c'était trop facile celle-là. Est-ce que tu me pardonnes? S'il te plaît. Bon, on va faire Malfra, pièce, lame, trade, comme on a dit, je pense. J'hésite à simplement dag. Mais ça se met bien, tout clean, je pense, pour protéger le Malfra. Peut-être, il y a plus que deux cartes en main, le mec. Trois cartes, what the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je tournais la tête, il n'y a plus rien. Non, c'est une blague, arrêtez, putain. Vous avez brisé une amitié. À moi
Ne les laisse pas se mettre en travers notre amitié, Vince. On est plus fort que ça. Ah! 999! Ah, j'ai toujours le truc qui est fermé là depuis tout à l'heure, attendez. Ça c'est pas bon, moi je checkerai après. Non, tiens, eux. Qu'est-ce qu'il a dit, Vince? Vince, il a mal parlé apparemment, c'est pas gentil. Vince, je sens que t'as été désagréable avec moi. Je suis un petit peu déçu. Je pensais que notre amitié était plus forte que ça. Je vois que tu as cédé à la facilité. Tu as cédé au spectacle, au fait qu'il y avait des gens pour lire ce message. Et pour être vraiment... À un moment donné, t'as dû dire des méchancetés. J'ai pas envie de voir, parce que ça a brisé la bonne image que j'ai de toi. Et j'ai une bonne image de toi. Et ça ferait mal, honnêtement. Je te le dis franchement. Ça va me blesser. Il y a un cœur qui bat derrière ce corps d'athlète. Non, mais vas-y, quoi. C'est chiant, mais bon. Go lui faire proc son arme, de toute façon. Hein. Lis, ouais, je vais lire, attendez. Je vais le faire. Vaut mieux briser une amitié qu'un humain quand même. Pas mal. Pas mal du tout. On dirait que j'ai oublié la game. Non, je suis focus. Ne t'inquiète pas. Je suis dedans. Ça c'est bien, mais là c'est pas nécessaire. Donc est-ce qu'on fait pas absolument ça? Plus taper la 3-6 pour setup et redac pour préparer l'arme. Et comme ça, prochain tour, on fait 3-7 et peut-être 8. Probablement. C'était pas si bien là, j'aurais dû le placer à droite. Pour le loup alpha éventuellement. Ouais, c'était mieux. À moi de rendre justice. Il a le même problème que moi. Il a aussi des œufs qui ne proc pas. Ou il a des boosts. A voir. J'espère qu'on va, dodge au destrier, ce serait pas mal. Il y a le truc à 8 aussi qui serait terrible, le gigantosaure là. J'avais une fille au lycée qui s'appelait Iman aussi, elle a pris tellement cher. Non mais c'est, en même temps c'est chaud de donner des noms comme ça aux enfants quoi. Genre il y a d'autres noms comme ça, il y a plein de noms chelous comme ça. T'as des listes qui existent sur internet. pour dodge quoi, pas faire de conneries avec tes gosses. Je pense que je le fais maintenant hein. Ça, trade là, trade ici et poser ça. Et ça on l'utilisera pas. Ouais, clitorine par exemple, exactement, clitorine. C'était ça que je cherchais. Clitorine. Terrible. Du coup le mieux c'est là. Trade celui-là, garder ça au centre. Personne ne s'appelle comme ça en France. Clitorine, t'es sûr qu'il n'y en a pas en France? Je sais pas. J'ai déjà vu qu'il y avait des noms comme ça chelous, mais je sais pas, c'était peut-être pas en France, c'était en Suisse ou en Belgique. Peut-être qu'on a merdé de notre côté, c'est possible. Hein. On va pouvoir avoir de la draw. Après, je pourrais le sauver en faisant le skater et ça, et garder une charge de poison par exemple. Mais du coup, c'est l'arme que je sauve au final. C'est trade et je fais quand même la draw ici. Ouais, parce que je veux absolument avoir la draw, je veux pas être en tour. On a l'attaque. Ok. L'anti-AE. Après c'est une constat que l'anti-AE il marche moyennement bien. Hein. On va pas se mentir, ce sera pas incroyable. Oui, je sais qu'il y a des règles, tu peux pas donner les noms que tu veux. Mais après, bon.
J'imagine que parfois certains ne respectent pas bien la loi. J'imagine que parfois ça merde, tu vois. J'imagine qu'il y a des erreurs, tu vois, parfois ça peut passer. Après, est-ce qu'il revient en arrière, ça c'est la vraie question, du coup. À moi de rendre justice. On passe spécialement de meilleure cible, et puis bon, après on prend cher. Hein. On va trade comme ça. Le problème, c'est que je vais jouer ça, donc il faut que je fasse de la place de toute façon. 2, 4, ouais, c'est ça. Hein. Alors j'aurais pu envisager de jouer ça, mais là le problème c'est que j'ai pas de place de toute façon, donc ça va être ça. Mon destin réside dans les ombres. Bon, est-ce qu'on va la gagner cette game? Ça sent plutôt bon. Je vais appeler mon fils Oliash, ce sera un honneur, ce sera un honneur. Enfin, mais surtout pour Néné, en l'occurrence, vu que je suis pas vraiment Oliash, hein. C'est pas mon vrai nom, si au cas où tu ne le savais pas. Ce sera un honneur pour Dennis. Ok, donc on va tout jouer là, globalement. C'est très chiant là, ce qu'il vient de me faire. C'est très très chiant en vrai, parce que là, les trades, ils sont pas si ouf que ça pour moi. Genre 2, 3, 4, 5. Ouais, mais j'aimerais bien faire ça aussi. Le problème, c'est qu'il faut de la place. Non, mais je t'envoie dans l'autre, au pire. Ça fera 2, 3, 4, 5. Trade, trade, trade. Trade, trade. Là, c'est la guerre des trades. Hein. Je connaissais la guerre des boutons. Bah, j'aurais connu la guerre des trades. Très bon film, ça. Vous avez vu la version originale de la guerre des boutons? Je l'ai regardé quand j'étais petit. J'aime bien. C'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Très très chouette. On va le garder, lui. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vais le garder. Je le sors bien. Garde-toi au chaud près de moi. Il peut combo avec l'amalgame, mais je pense pas qu'il y a d'autres combos en vrai. Non. Ok. Faut tuer au prochain tour. Compliqué ça. La synergie tant attendue. On l'avait call. Le problème c'est que j'ai pas de place là. Quel est le mieux? Parce qu'en soi j'aimerais bien trade comme ça, mais c'est pas value au final. Mais oui, mais d'ailleurs j'ai même pas de place en fait pour faire la synergie, je suis con. Vu que l'aria trade. Ok. Je me demande. J'ai perdu là, non? J'ai même pas de toon dans mon deck, je pense. J'avais le Rocknisher mais j'en ai plus. C'est quand même un bon droitier. Bah ouais, il avait plus de cartes, il a chopé que du lourd. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Avec Lévi, est-ce qu'il y a un monde où? Ouais, non, je sais qu'il a pas le létal direct, mais il va l'avoir le tour d'après, quoi. Ah mais non, c'est bon, qu'est-ce que je raconte, j'ai deux tours en fait. Oui, non, dans l'idée c'est top, c'est bon. C'est bon. À moins que... Sur du dégât ou du taunt, ouf. Ouf, mon petit cœur. T'as ce braquage quand même avec ce deck. On était à 3-2, on est à 9-2. Ça. La chatte. Ouais, non, tu peux pas dire la chatte en vrai. Parce qu'il avait plus de cartes, il m'enchaînait full grosse carte là. Il avait plus rien, il a enchaîné 2 cartes à 8. Alors que justement, en heure limite, il est sorti vraiment en mode tempo comme moi, tu vois. C'est pas pour rien qu'il a plus de cartes en main. Puis bon, moi j'avais un 9 qui servait à que dalle sur le board, comme d'hab. On a une carte qui est littéralement morte dans notre deck. Vous vous rendez compte que cette carte là, c'est...
En gros, c'est carte, description, Noferia. Noferia. Non, la description, c'est Noferia, sauf si vous avez le loup alpha sur le board. Peut-être tu peux le suicider. Aïe, 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 aïe. Ou bien, carte anti-AO. Il fait mi-carte anti-AO. Si tu la poses sur le board et que l'adversaire clean tout ton board, tu récupères une 5-5. Bah, génial. Tu fais quand même de très bonnes sorties. Bah ouais, j'ai Malfra quoi. J'ai Malfra et je me dis gagne pour aller chercher. De toute façon, on l'a dit au début, hein, si on veut gagner, c'est Malfra. Après, des bonnes sorties, oui et non, parce que je fais rien à T2 globalement. Souvent, je DAC T2 et je commence seulement à jouer T3. Elle t'a peut-être évité des AO. Bah, dans cette game, non, vu qu'il n'y a plus de carton, mais en l'occurrence. ⁇ 3-2, into 9-2, c'est ça? C'est ça, ouais. On était à 3-2, on a 9-2. Carte anti-moussu. C'est exactement ça. Cette carte contrera parfaitement les moussus. Allez, le malfrat! C'est une bonne main. C'est clairement une bonne main. Hein. Ah. Allez. On va le faire. On va le faire, les gars. On va le faire ensemble. Encore. On set up l'arme. Comme ça, on a un toxic qui est prêt. On a attaque son AC6-7 s'il pose quelque chose ici. Ce qui pourrait être vraiment un bon play pour moi. Ça va être le cas, j'imagine. Voilà. C'est pas incroyable, mais bon. On a ça qui est intéressant comme T4. A voir si je pourrai en profiter. S'il met du board, on jouera l'arme toxique. Et du coup, là, on a un très bon start. Sans malfra, mais avec pas mal de clean. Ça se met bien. Où en est la moyenne, Oliash? 8.25. Mais là, elle va monter du coup. Incroyable. C'est pas ouf non plus, mais bon. Je pense que je vais faire l'arme toxique maintenant. Ouais. Comment je peux faire double trade et poser ça? Ce qui veut dire qu'après je fais ça et ça et je peux certainement proc. Ouais, c'est peut-être pas si mal de prendre le trade et de poser ça. Hein. C'est top la 2-4. Je pense que la 2-4 est moins bien que ça. J'ai envie de tenter le fourgue biais pour piocher. Ça me déprime de te faire voir des bons résultats alors que moi, je dépasse pas les 5. Et justement, tu devrais te dire si j'y arrive. Tu devrais te dire, vu comment il est débile, celui-là tu vas pouvoir faire aussi bien que moi, bro. Avec de l'entraînement, évidemment. La différence, peut-être que j'ai plus de game, forcément. Mais dis-toi. Dis-toi justement, au contraire, con comme il est, comment est-ce que je ne peux pas. Enfin, forcément, je vais finir par avoir ces résultats, c'est pas possible. C'est logique, c'est une évidence. Je pense que je mets Rocknisher Orbody. Rocknisher Orbody, et derrière j'ai quoi? J'ai 2, plus le Ripop à hop, plus ça à 6. J'ai ça à 6, mais ça m'intéresse pas. Ça, je pense pas que je vais la jouer, du coup je préfère jouer une 4-7, la solide. J'espère qu'il va pas me sortir le clean dessus, quoi, mais bon. Je tape pas avec l'arme, parce qu'elle pourrait servir pour mettre le petit poids de dégâts finish à gauche à droite. La technique pour passer le permis sans stress, mais de ouf, hein, moi je t'ai toujours dit. Hein. Moi je voyais les gens qui stressaient pour le permis et je disais tout le temps, mais regardez le nombre de gens qui conduisent. C'est des animaux. À quel moment tu vas rater le permis? Après, la vérité c'est que certaines personnes sont plus douées pour telle ou telle chose, tu vois. Un mec que tu considères parfois comme bête, au final il est doué pour ça, il a certaines qualités. Parfois très bien cachées, mais il en a. Vraiment parfois très très cachées, enfin voilà, vous avez compris quoi. Mais il en a parfois quand même. Très chiant ça. J'ai posé ça. Où est-ce qu'on tape? Parce qu'on risque de faire ça et ça au prochain tour. Hein. Je pense que je peux envisager de taper ici. Espérons qu'il n'ait pas du clean. Genre moussu. Parce que j'ai pas l'anti-moussu.
fait mal. Ça fait très très mal. L'anti-moussu qui est là, en retard. Il n'y a pas de moussu. On peut faire dague, arme toxique pour sac et poser ça, probablement le play. Hein. Ouais, j'ai une bombe anti-AOE. À moi de rendre justice pour le maître. On va la laisser au milieu sur le loup alpha. Pour le moment, je suis devant en termes de tempo. Par contre, je pense qu'il a certainement une meilleure main que moi. Je vais pas vous mentir, je me sens pas devant avec la main que j'ai. Enfin, devant sur du long terme. Donc, il faut absolument essayer de snowball très très vite. De pas faire durer la game. Donc, ce qui m'arrangerait, c'est que je joue à gros serviteur. Mais si je joue à gros serviteur, je le trade. Donc, ça l'arrangerait pas. Du coup, il va spammer. Si il spam, ça m'arrange pas. Clairement, ça m'arrange pas. Je pense. J'avoue, je peux magnétiser la bombe. Est-ce que ça a un intérêt? Je peux value trade là. Mais j'hésite carrément à trade. Parce qu'autrement, ça, je peux pas setup l'autre. Alors oui, ça le bloque sur ses serviteurs, mais en même temps, je peux pas avancer. Du coup, j'ai quand même envie de faire ça. Trade là, même si c'est naze. Trade là. Et poser ça. Comme ça, je le cover. 4 sacs et je pose l'œuf. Ça, je pense pas que c'est bon. Hein. Je pense pas que ça c'est bon. Ouais, j'hésite. Non, c'est pas vraiment excessif de poser l'autre. Non, ce serait de l'excès de taper là-dedans, on peut pas. Hein. Non, j'aime pas trop le T7. En soit, si je peux garder ça en synergie T10, ça peut être très très bon. C'est juste qu'il faut qu'il évite de spammer des petits serviteurs, mais vu sa masse, ça risque d'être compliqué. Après, j'imagine qu'il veut quand même tuer ça. Si je force un coup d'arme, c'est vraiment pour moi, mais peu probable. Pourquoi il n'y a pas d'arène wild? Parce qu'avant c'était... L'arène avant était en wild, hein, global. Oh no. Ah, OP. J'ai pas des cartes OP comme ça, moi. Vilépine, c'est la meilleure carte de voleur en arène. Hein. Ok, on peut tout clean. À moi de rendre justice. On pourra combo ça avec ça après. Faut l'activer. Et après ils ont déjà remis par moment l'arène en wild hein. C'est quand même plus diversifié en wild. Oui mais c'était pas une bonne chose honnêtement l'arène en wild. Parce que le problème c'est que tu avais moins de synergie possible. Par exemple essayer d'avoir des synergies élémentaires avec toutes les cartes de wild. Il y avait trop de cartes du coup. On savait bien qu'il attendait certainement de que j'utilise mon arme pour sortir des gros serviteurs. Mais j'avais pas le choix pour la jouer autrement ici. On pourrait faire la lame pour setup quand même le reste. Mais ça m'arrange pas, j'ai absolument envie de jouer le vert là. Après je pourrais taper dedans pour qu'ils prennent quand même les deux en plus. Et je pense que ça m'arrange. C'est cher, c'est grid, mais je vais probablement le faire. C'est très cher, mais je pense que je vais le faire. Comme ça, s'il prend le trade là, je pourrais le terminer avec la lame. Il vient juste d'avoir 9 mana. Oui, non, mais peu importe. Il avait certainement peut-être aussi d'autres tontons, tu vois ce que je veux dire. J'entends pas, c'est normal, je ne parlais pas, j'étais calme, j'étais sage. Pourquoi t'as pris l'œuf? Non, c'est vraiment naze, mais les deux autres cartes étaient encore plus naze. Donc imagine à quel point les choix que j'ai eu étaient giga naze. Non, l'œuf c'est vraiment très mauvais. Ne prenez pas ça si vous pouvez l'éviter. Moi j'ai pas pu l'éviter parce que les choix étaient trop mauvais. Ouh, intéressant. Intéressant. Très intéressant là. Donc on va faire 3, 6, on va taper là.
Ok, on repasse devant sur le board. Et s'il a plus de taunt, on peut peut-être voler la game prochain tour, un truc dans le genre. Pas de musique. Il y a le son du jeu, mais c'est un peu faible, j'avoue. On va la jouer, je pense. Hein. Pète ton œuf. Bah non, c'est pas value. C'est leur tir eux, les gars. On a 13 et 14 avec le boss, du coup, actuellement. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de cartes, donc ça m'étonnerait qu'il ait pas de réponse. Souvent, j'ai eu beaucoup de chance, parce que souvent le vert arrive sur les bons timings, hein, honnêtement. J'ai quasiment toujours eu mon vert sur les fins de partie, comme ça. Ce qui m'a permis de gagner pas mal de games. Ici, ça me paraît difficile de la gagner. Là-haut du voleur, bah ouais, moussu. Imaginez, il tue ça et puis il fait un moussu. Hop, sac, sac. Hé. Bien sûr que le voleur peut avoir des AOE. Les fameuses AOE du voleur, bah oui. Bah oui, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer les bases du jeu, bro. Oui, un voleur peut avoir des AOE. Moussu, c'est une AOE. Allez, ça dégage. Imagine qu'il me fait une heavy plus un moussu, bah c'est une AOE. Hein. Area of effect, c'est exactement ce que fait le moussu. Quelle honte, monsieur, quelle honte! Le deck est à 10. Non, mais il devait avoir une AOE, mais il a vu le moussu, donc il est parti. Maiev contre Anduin. Ta lumière nous apportera la victoire. 10 avec ça, c'est du vol. C'est effectivement du vol, oui. C'est un petit peu honteux. Malfra, es-tu là? Toc 3 fois. Ok, il est pas là. L'avantage c'est qu'il joue en premier, donc s'il a une claire, je vois la faux. Ok, go. Ah, clairement son deck était meilleur que le mien, mais on n'a pas une mauvaise sortie non plus, donc ça a joué. On va clairement le poser ici parce qu'il n'a pas eu de T1 T2, donc sur la T3 on a un trade value. On aime bien. Une autre arène après, j'en ferai certainement une autre, ouais. Ah, ok. Il y a des chances qu'il trade, hein, qu'il pose un T4. Il y a des chances qu'il prenne le trade, à moins qu'il ait une AOE, mais bon. Quelle version d'image est la plus optique pour monter légende? Je me demande... Le mage hyper contrôle, le mage. Enfin, le mage hyper spell. Enfin, mage hyper contrôle ou le mage big spell, quoi. What? Il doit vraiment avoir un deck lourd pour faire ça. Normalement à 10 on n'est pas censé tomber contre un sage. Donc s'il l'a fait, c'est peut-être qu'il a vraiment une main lourde et qu'il a peur de se faire prendre de vitesse. Donc c'est pas totalement... Enfin ça a l'air naze comme ça, c'est sûr, mais on connaît pas sa main, on connaît pas son histoire. Triste complet, oui, mais ça a peut-être du sens en fonction de sa main, les gars. Sur une Nova, il peut tout trade. Mais ce serait pas un drame. J'ai déjà fait 10 et je suis un débile. Sur Fongi, c'est un peu relou. Oui, mais prêtre va souvent pas pick Fongi, hein, en arène. Je me demande... Alors, il pourrait, hein, mais bon. Le trade est pas bon pour moi et... Il va pas me faire une Nova comme ça là. Ok, ça va fouet. Ok. On va.
Ça me va clairement, hein. C'était cher pour lui. Je pense que c'est ça et ça le play. C'est ce qui permet d'être le plus oppressant possible. J'ai pas besoin de mettre basé, sachant que j'ai l'arme toxique en main. Trahison. Trahison, je l'ai joué 0 fois dans l'arène. On a 10-2, j'ai pas joué une seule fois trahison. Je l'ai pas vu beaucoup déjà de 1, mais de 2, je l'ai pas joué une seule fois. Il me semble. Je pense pas que j'ai joué. Ok. On peut. On va garder la pièce, je pense. On va trade. Rôdeuse, du coup, pour avoir l'excès, on trade avant. Trade, trade et face. Yes. On pourrait se prendre un cri, mais j'ai pas joué autour. Prochain tour, j'ai ça. Trahison était pas bon là. Je vais pas jouer trahison pour la jouer, c'était naze. Si trahison, tu l'as utilisé contre Vincent, bâtard. C'est faux. C'est faux, ce sont des mensonges. Calomnie, monsieur, calomnie. On pourrait rôdeuse là pour avoir double AA. A voir, je pourrais pièce le malfrat en même temps. Je pense. À moi. De rendre justice. Pourquoi tuer l'élémentaire? Comment ça tuer l'élémentaire? What? De quoi tu parles? Quel élémentaire tu parles? J'ai pas compris. Je pense que je trade là. Je pourrais trade avec les autres. Mais ça veut dire que... Je croque pas la brutalité, mais est-ce que c'est le play? J'ai pas compris ta réponse, Shoot Fox. Ah non, mais c'est parce que t'as pas compris le principe de brutalité, c'est ça, ok. Ok, t'as juste pas compris le principe de brutalité, bro. Bon, du coup, j'ai perdu un peu mon tour, là, j'étais un peu bugué par ton demande. Je comprenais pas ta question, mais en fait, ta question, elle est basée sur le fait que tu comprends pas la brutalité. La brutalité, en plus, je l'ai bien expliqué, on fait ça parce qu'il faut faire l'excédent. Brutalité, il faut pas avoir les dégâts pile, il faut avoir l'excédent. Mais en plus je l'ai dit exprès hein, pour éviter qu'on me pose la question. NP, NP. 4, 8, 10, 12, 13 de off. 14 même, moins 9. Vu que les deux sont boostés. Hein. Donc 5, 10, 12, 14. Attends, 15? Je vais face. 5, 10, 12, 13, 14, 15. Non c'est bon, c'est étal. Face. Donc A. 5, 10, 11, 12, 13, 14, oui, c'est bon. À moi de rendre juste... Yes! Pom pom pom. Mais je leur explique à chaque fois brutalité, parce que chaque fois les gens me posent la question, j'ai remarqué. En tout cas en arène. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui regardent l'arène, mais qui sont pas. Qui jouent pas spécialement ladder et du coup ils sont pas familiers avec ça. C'est peut-être ça le problème. On va faire la petite pause. Pas du tout. On va faire la petite pause, évidemment, avant la dernière. Loul. Le deck est pas horrible, finalement. Si, si, le deck est horrible. Si, si, il faut pas être dépendant du résultat. Que ce soit favorable ou défavorable, le deck est pas ouf. Le deck fait clairement un score qu'il ne devrait pas faire. J'ai plein de cartes de merde, hein. L'off il sert à rien, j'ai ça qui sert à rien. J'ai un deck qui est pas équilibré, enfin non. Il y a quelques cartes correctes. À partir du moment où ma meilleure carte c'est Malfra. Voilà quoi, j'ai pas sur la planche, j'ai pas de vie d'épine. Genre j'avais fait une autre draft en voleur qui était bien meilleure. C'était la dernière draft en voleur et j'avais fait 6 avec. Là je suis à 11 avec un deck qui est vachement moins bien juste parce que bah les games se mettent bien au final. Mais dans l'idée le deck est moins bien que celui avec lequel j'avais fait 6.
Ça dépend des adversaires, ça dépend des sorties que t'as quand même. Là, on arrive à avoir souvent Malfrat qui carry, on a des adversaires qui n'ont pas trop de réponses et on peut snowball. Titan 3-2. Ouais, ouais, bah voilà, j'aurais pu terminer à 3-3. Hein. Pierre carte. Je garde ça, mais je vais quand même pas garder le T4, je pense, que j'ai envie de toucher au bon T3. Après, quoique. J'ai combien de T4 vraiment intéressants? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je peux avoir attaque sournoise et Firefly, c'est quand même bien. Hein. Yes. En plus du T3, bien sûr. Je pense que je vais le poser T1. Je pourrais le garder T4, mais je vais le poser. Ça peut m'aider à prendre des traîtres au début. Lol. En vrai, si tu voulais pas faire top arène, tu aurais redraft. J'aurais pu la redraft, mais il y a des arènes que je redraft et pourtant je sais que je pourrais faire des scores très corrects du style 9-10 victoires parce que juste bah le deck a entre guillemets pas l'air trop fun, tu vois. Ah. Basilena, ce qui va poser des. Oh, c'est terrible ça. Du coup, je prends trade que 2. Ah, c'est très très chiant là ce qu'il me fait. Je pense que c'est taper Rodag. À moi de rendre justice. Je sais pas si je pose le SI7. En vrai, il y a de fortes chances que je chope à T3 ou T4, du coup autant le poser, j'imagine. Mais après, ça veut dire que je Rodag pas. Non, je vais taper Rodag. C'est mieux. C'est mieux parce que s'il pose un T3, T4, bah, je serais bien content d'avoir le 6-7. Vu que c'est lui qui a la pièce. Dans ce cas-là, bah, je fais attaque et 6-7 et je clean quoi. Après, à voir ce qu'on a parce que si j'ai le T4 Necros, je la jouerai. C'est tentant. À moi de rendre justice. Est-ce que ça a vraiment des chances de passer? Moyen, très moyen. A la limite, j'attaque sournoise pour avoir plus de chances en me disant que de toute façon j'ai T5 et T6. Je me demande. Pas cohérent. Mais je vais attaquer ici par contre. Je vais attaquer parce qu'il peut avoir des boss, il peut avoir Fungi. Bon, après, il y a tout ce qui est champion de marteau, je peux rien y faire. Mais je pense qu'il faut attaque. Pour lui donner plus de chances de survivre. Faut vraiment que j'arrive à reprendre absolument le board. Hein. Voilà, marteau, j'en parlais. Mais dans ce cas-là, bah, au moins je peux faire la rôdeuse et activer la brutalité. Je reste T6 là. Conversion de l'énergie emmagasinée. C'est pas si bien, mais je vais plutôt trade ça. Mais du coup, il faut que je tape dedans. Parce qu'autrement, pas de brutalité. On rappelle, brutalité avec deux chauves-souris. Brutalité, pour activer, il faut faire un excédent de dégâts. Si je fais 3 dans 3, il n'y a pas d'excédent. Donc je vais taper là-dedans quand même. Et brutalité pour avoir l'excédent. Je pourrais simplement taper là, hein, mais à ce moment-là, il aura les trades sur les A. Donc ce sera pas si bien. Ça aurait été mieux, ça, le tour d'avance, dommage. Je savais que l'autre T4 avait peu de chance de survivre. On va peut-être pouvoir la réactiver en synergie avec... I7. Il va peut-être me faire une consec s'il l'a. Il n'a plus la pièce. Ok. Tu préfères la brutalité au clean complet? Bah oui. Oui, c'est clairement mieux. Clignez pas des yeux ou vous allez tout rater. Ok. On l'avait dit, on peut activer la brutalité, ça se met bien. Je peux taper là, Basil, SI7, 2, et rebrutalité. Il y avait de fortes chances que sur ces tours-ci, ça se réactive.
Parce qu'au final ça fait une combo de sac de dégâts. Plus le TA, ça faisait 6 de dégâts contre tes sacs. Souvent ça va s'activer. J'essaie de les placer au centre pour le Alpha. Prochain tour on peut jouer le poteau et dague. Escargot éventuellement. On est pas mal là, le souci c'est que notre main va vite se vider. Ce serait bien qu'on récupère rapidement le vert. Ou ouais, le mieux ce serait le vert, le Rocknisher est ok aussi. Le Worgen éventuellement. Malfra, pourquoi pas quoi, mais autrement le Fourgebier numéro 2. Si elle va piocher ces coups là. L'avantage ouais, c'est que j'ai des toxiques pour les gros serviteurs. Mais après le désavantage qu'on est. Enfin désavantage. On est contre Paladas. Paladas c'est pas la classe qui joue le plus de gros body. Ok, on a un bon trade, c'est cool. La beau et sapa, je pourrais taper Abomination. C'est peut-être le meilleur play. C'est curvé, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. La carte qui manque vraiment, c'est le vert. Hein. Si j'ai le vert, je serais vraiment extrêmement bien. Là, il y a toujours le danger, entre guillemets, de la consac, mais elle est même pas dramatique, s'il l'a. Pourquoi Toxiface, ça tue pas? Parce que ce serait un peu fumé. Salut, Asile. Tu vas bien? Punaise, je viens de revenir, t'as Jax avec deux morts. On a eu beaucoup de réussite, il faut être honnête. Après, il y a eu des timings où j'ai pas eu de chance aussi, hein, mais. Si on est à 11 avec ce deck, il y a eu clairement du talent en mode chat, quoi. Par contre, si le mec est également dans le même système de palier que nous avec du Palada, il doit clairement aussi avoir un bon deck aussi en face, donc il faudra faire gaffe. Le play, ça va être trade là, j'imagine. Trade là, et ça et ça. Comment je peux poser double T4, mais je suis pas sûr que c'est mieux. Le problème du double T4, c'est que ça prend vraiment très cher sur WoW. Derrière, je me retrouve juste avec une 2-2, quoi. Enfin une 2-2 et enfin double 2-2. Là s'il fait une AO je me retrouve quand même avec une 6-3 donc c'est un peu plus énervé. Je sais pas hein. Garde l'escargot, je sais pas hein. Peut-être qu'on fait ça quand même. Comme ça effectivement s'il fait l'AO. Après je pense qu'il l'a pas. Si on fait l'AO on a quand même l'escargot qui est encore actif. Parce que là j'ai plus de toxi derrière ça veut dire. Ok go. Place là à droite là, pour le loup si jamais on le chope. Drake aussi ça fait très mal hein, bien sûr. Après s'il fait Drake j'ai fait je fais dague arme toxée qui est vert. Enfin vert escargot. Le marteau. Ok le truc c'est qu'il reste plus 4 de mana donc je vais pouvoir remettre une toxie derrière. Comment c'est possible. Merci Imtanka. Merci bro. J'aime bien dague, arme toxique qui est malfra. Et le reste face. Je trouve même mieux que ça, je pense. À moi de rendre justice pour le maire.
Ok. Ça me va. Du coup, on a combien là? On se retrouve avec 2, 4, 6, 9, 10, 11. Ok. Enfin. Ça m'arrange pas de taper avec l'arme. Le problème de. Ou alors, je le fais, mais il faut que je tape avec ça. Pour avoir le spot, pour avoir l'escargot. Parce qu'il me faudrait l'escargot. L'étal, non, j'ai pas l'étal. Hein. 2, 4, 6, 7, 8. Non, j'ai pas l'étal. Je pense que je dois tuer ça et poser tout le reste et taper. Je pense que je dois suicide là-bas. Sacré spectacle aujourd'hui. À moi de rendre justice. Si on se prend une égalité Drake Primordial ou Consécration, j'aurais bien le seum, mais peu probable. La victoire. Ouais, d'accord. Égalité Consécration. Ça pourrait, mais je pense pas que je dois jouer autour. Tout. En vrai, j'aurais pu jouer autour, honnêtement. Hein. En vrai, j'aurais pu jouer autour. Bon. Normalement, je veux plus jouer autour et ne pas jouer le T-Sac par exemple. Racé. Bon, après, c'est une golden bleue, mais enfin, une bleue. Une golden rare. Dorée, mais c'est pas ouf. Et bon, c'est ok. Une petite légendaire peut-être. Non, clairement, 12 pour ce deck, c'est abusé. Hein. On a eu beaucoup de chance. Pas sur la draft, mais sur les sorties. C'est ce que j'explique à chaque fois. Tu peux essayer de prédire le score, mais des decks comme ça, parfois, bah, ils vont se taper un vieux 3. D'ailleurs, on était à 3-2, hein, mais j'aurais pu finir à 3-3. Et d'ailleurs, on a une tête de Winstreak. Parce que le deck est bien sorti et on n'est pas tombé contre des decks vraiment non plus insane en face. Hein. Hey, n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendaires dorés. Et n'oubliez pas. Moins tu dors, plus t'es fort.